Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment semer du romarin et de la lavande. On est à la mi-février. Il fait froid. Et pourtant, c'est le moment idéal pour semer des fines herbes et des plantes aromatiques vivaces. Aujourd'hui, je transplante des semences de romarin et de lavande que j'ai stratifiées il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la stratification des semences, vous devriez voir le lien apparaître en haut de l'écran à peu près maintenant, et je vous laisse également le lien dans la description en bas. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Vos semences stratifiées, du terreau à semis, de l'eau, des multicellules, un bac en plastique et un dôme transparent, et des étiquettes et un marqueur pour identifier vos semis. Vous allez trouver la liste de tous les produits que j'utilise dans la description de la vidéo. Pour faire mes semis, j'utilise un terreau à semis que j'achète en grande surface. C'est un terreau qui est très fin, qui est composé généralement de mousse de tourbe et de perlite. La perlite, c'est les petites roches blanches qui permettent un drainage de l'eau dans le terreau. C'est important d'humidifier votre terreau avec un peu d'eau avant de le mettre dans les cellules. Ça permet une bonne absorption de l'eau, puis une humidité qui est uniforme dans toute la cellule pour éviter que votre semence aille se perdre au fond d'un terreau sec, puis ne reçoive pas l'humidité dont elle a besoin pour germer. La quantité d'eau nécessaire va dépendre du type de terreau que vous utilisez et de la quantité que vous avez. Mais vous allez voir que lorsque vous avez suffisamment d'eau dans votre terreau, vous êtes capable de le presser et de faire une boule avec la terre, mais il n'y a pas d'eau qui coule de la boule. Quand le terreau est bien humide, c'est le temps de remplir vos multicellules. Moi, j'utilise des multicellules comme ça, en petits paquets de 6, avec des trous en dessous. Mais vous pourriez aussi utiliser des contenants de yogourt recyclés ou n'importe quel autre contenant de plastique. L'important, si vous utilisez d'autres types de contenants que vous recyclez, c'est de faire des trous au fond des contenants pour l'égouttement de l'eau, mais aussi parce qu'on va arroser par le bas nos semis. Quand je remplis mes contenants, je fais un premier remplissage, puis ensuite je m'assure de bien presser le mélange à l'intérieur de la cellule. Ça permet de faire une base solide. Donc, une première couche de terreau que je presse comme il faut avec mon pouce pour aller jusqu'au fond de la cellule. Puis ensuite, je vais remettre plus de terre par-dessus jusqu'à ce que je sois satisfaite de la base que ça me fait bien solide pour pouvoir mettre mes semences. Pour la même raison qu'on veut un terreau humide, on veut un terreau comme ça qui est une base plus solide pour éviter que la semence aille se perdre au fond et ne germe jamais. Et voilà ce que ça donne quand la cellule est remplie. Je vous fais la deuxième en accéléré. Quand vous sortez vos semences stratifiées du frigo, elles ont l'air à peu près de ça ici. Donc ça, c'est des semences de romarin. Pour les mettre dans les cellules, j'utilise un petit outil. Moi ici, j'ai des pinces. Ça pourrait être un autre petit objet là, pour être capable de prendre les graines parce qu'elles sont, humides, parce qu'elles étaient dans un essuie-tout humide. Puis les semences de romarin puis de lavande ont une petite membrane gélatineuse autour. Donc, ça va être plus facile si vous avez un petit outil à utiliser là, pour les pincer, pour pouvoir les mettre dans les cellules.
Le taux de germination de la lavande et du romarin est très faible, alors vous pouvez vraiment mettre plus qu'une semence dans chaque cellule. Moi ici, j'en mets 5 ou 6 là, par cellule pour m'assurer d'avoir quelques plants qui germent. À première vue, ça peut sembler fastidieux, toutes les étapes nécessaires pour faire pousser de la lavande et du romarin. Donc, il faut stratifier les semences, ensuite il faut les prendre comme ça, doucement, avec des pinces pour les semer. C'est quand même une plante qui demande beaucoup d'attention, mais il ne faut pas oublier que c'est une plante vivace, donc on n'a pas à en ressemer à chaque année. Nous, on déménage cette année, alors comme on va avoir un nouveau jardin, il faut qu'on ressème nos vivaces, mais on n'aura pas besoin d'en refaire à tous les ans. Quand vous avez terminé de mettre vos semences dans les cellules, vous pouvez prendre, encore une fois, un petit outil, ça pourrait être un bâton de popsicle sans problème, un crayon, peu importe, et vous pouvez tout simplement brasser un petit peu la terre comme ça pour qu'il y ait un peu de terre par-dessus les semences. On veut pas enterrer très profondément les graines de romarin, c'est des graines quand même capricieuses qui germent difficilement, donc juste le fait de brasser un petit peu, il va y avoir des semences qui vont être un petit peu plus creuses, peut-être 1/8 de pouce, d'autres vont être un petit peu plus près de la surface, mais ça va fonctionner là pour les recouvrir au minimum. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette pour identifier vos semis, parce que lorsque vous allez en avoir beaucoup, ça se pourrait que vous sachiez plus qu'est-ce qui est quoi, donc la meilleure façon, c'est d'avoir une étiquette pour identifier et de mettre la date aussi à laquelle vous avez semé vos graines. Comme ça, vous allez pouvoir voir en combien de temps, par exemple, elles ont germé. Pour semer la lavande, on fait exactement la même chose. Je vous le fais en accéléré. La seule particularité de la lavande par rapport au romarin, c'est que plutôt que de mélanger le terreau pour recouvrir les semences, on va seulement les presser légèrement pour s'assurer qu'il y ait un contact entre la terre et les semences. Mais les semences de lavande ont besoin de lumière pour germer, donc il ne faut pas les enterrer avec du terreau. Donc je les presse seulement doucement sur le dessus. Pour germer, vos semis vont avoir besoin de lumière artificielle qui est entre 5000 et 6500 Kelvin. Quand vous avez terminé tous vos semis, vous pouvez les mettre dans un grand bac en plastique comme celui-là. C'est un bac de 20 pouces par 10 pouces qui est standardisé et qui peut contenir dans ce cas-ci 12 petites cellules, de 12 petits de barquettes de 6 cellules. Donc, en mettant l'eau dans le bac, vous arrosez par le dessous pour éviter de mettre trop d'eau sur le dessus. Ça peut déplacer les semences, puis ça pourrait les faire moisir aussi s'il y a trop d'eau. Vous pouvez ou non recouvrir vos semis d'un dôme en plastique transparent. Ce que ça fait, c'est que ça aide à garder l'humidité dans l'environnement pour aider à la germination. Ça crée un petit effet de serre à l'intérieur du plateau avec le dôme par-dessus. Mais c'est pas absolument nécessaire. Si vous gardez toujours votre terreau humide, mais pas détrempé, vous n'avez pas absolument besoin de mettre un dôme par-dessus. Dans ce cas-ci, le bac, c'est un ensemble. Je vous ai mis le lien dans la description en bas, que j'achète en grande surface, qui contient le bac, les cellules, puis le dôme qui va par-dessus. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici pour faire ma petite serre à semis avec 72 cellules. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air! À bientôt!